Salut, bienvenue à tous. Nous sommes à Gérone aujourd'hui où il fait un temps parfait, vous le constatez, pour jouer au football dans ce stade Montilivi. Et pour vous commenter ce match, eh bien, je serai accompagné, comme toujours, de mon fidèle Pierre Ménès. On va s'intéresser à une rencontre de championnat. On a hâte que ça commence, Pierre et moi. Oui, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Antonio Luna, con el 10, Samu Voici la composition de Gérone, qui va jouer en 4-4-2, un 4-4-2 assez conventionnel finalement. Ouais, avec deux joueurs de côté, façon Milan de Sacchi, pour combiner éventuellement avec les attaquants. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. Bon, on va l'avouer, Pierre, on est en présence d'une équipe qui quand même nous gâte assez rarement en ce qui concerne la qualité du spectacle. C'est vrai qu'elle a tendance à subir le jeu. À ce point-là, c'est plus une coïncidence, c'est un choix tactique délibéré. Le stade municipal de Montilivi qui résonne encore, Pierre, depuis la victoire des joueurs de Gérone hein, face au Real. Pour le tout premier déplacement des Madrilènes ici dans ce stade. Oui, et puis c'était pas un match de début de saison pourtant, mais le Real s'était fait surprendre ici fin 2017. Dans un stade plein à craquer. Ça avait fait 2-1. Je crois que c'est ça. Sébastien Cristoforo. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Mamadou Sylla. Le ballon par-dessus. Ouais, on passe par les côtés. Donne en retrait. Ils ont décidé de poser le jeu. D'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, il a le temps de centrer. La solution dans l'axe, peut-être. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et le but, le premier but dans ce choc. L'équipe locale qui prend les devants. Explosion de joie dans les tribunes. Et ces images nous montrent encore, il avait parfaitement suivi l'action, était bien placé pour conclure cette action. Je ne vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Gol del Girona. Con el 7, Cristian Estuani. C'est en position avec son corps pour protéger la balle. Allez, ça continue les échanges de passes. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Cristian Estuani. Sébastien Cristoforo. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On perd de la balle. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ah non, le ballon est perdu. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Il perd le ballon.
Mamadou Sylla. Oh, Di Calavera. Il faut trouver l'ouverture. Il est bien placé, il peut centrer. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Sébastien Cristoforo. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Ouais, voilà, ça va être un coup franc. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage pour le joueur qui filait. Ballon perdu. Ouais, c'est bien défendu. Ballon intercepté. Oh, Di Calavera, c'est donné sur l'aile. Christian Stuani. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est sûr, il y a un côté tout ou rien quand on tente des frappes pareilles, mais pour le coup, celle-ci est parfaitement exécutée. Quelle puissance, regarde-moi ça. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Allez, il continue. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Bernardo Espinosa. Christian Stuani. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Allez, dans le couloir. Ouais, les défenseurs qui enrayent cette action. Sébastien Cristoforo. C'est un adversaire qui récupère cette passe. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Allez, dans la surface, il y a du monde. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Et en tout cas, il s'est raté. Pierre, il y a de la qualité hein, chez ce joueur, mais on attendait peut-être un autre match hein, de sa part. Je le trouve vraiment peu inspiré dans ses appels et dans ses passes. Soit le ballon n'arrive pas à ses partenaires ne le trouvent pas. Ça manque de cohésion hein, et... les stats reflètent toutes ces lacunes. Sébastien Cristoforo.
Mamadou Sylla. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. C'est dégagé de la tête en touche. Ouais, peut-être la passe lobée. Ils sont dans la surface. Alors, le ballon qui est dégagé. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Ça sort, corner à nouveau. Ouais, bien tiré ce corner. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. C'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? J'ai bien aimé la première période qu'il vient de faire. Il est allé de son petit but, qui permet à son équipe de mener et d'envisager sereinement la suite de la rencontre. C'est reparti pour 45 minutes. Encore un bon ballon. Mamadou Sylla. Bien donné encore une fois. Touche. Ça, c'est pas très bien joué. Ah, il est passé par-dessus. Ah, c'est une touche. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique, c'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Oh, Di Calavera. Mamadou Sylla. Sébastien Cristoforo. Ouais, superbe ce geste défensif. Bel jeu qui se poursuit. Ouais, il y a avantage, c'est bien arbitré. Chercher une ouverture, bien sûr. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Ah, c'est contré. C'est terrible. Il aurait pu réduire le score sur cette action franche. Ouais, c'est vraiment mal joué, mais enfin, ça mérite de montrer qu'il y a de la place. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Luna. Bernardo Espinosa. Il faut un peu de la passe à 10 là. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, dans le couloir. Sébastien Cristoforo. Il a piqué son ballon.
Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Et ça s'est donné comme il faut. Le voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Oh, Di Calavera. Sébastien Cristoforo, le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Ah, il a levé son ballon. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Gombao. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Avec autant de passivité, c'est assez risqué. Ah ouais, bien donné en profondeur. Ah, il lui a manqué quelques centimètres pour récupérer ce ballon. C'était bien joué. Ouais, elle gagne son duel. Puerta 4, secteur 2-2. Sébastien Cristoforo. Oh, Di Calavera. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Il avait vu venir. Oh, Di Calavera. C'est une touche bien placée. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. On a décidé de faire du pressing, hein, regardez. Sébastien Cristoforo. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Christian Stoney. Ah, c'est une perte de balle. Bernardo Espinosa. Gros exploit personnel, attention. Et le but, ils sont allés le chercher, hein, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon. Quelle énergie ils ont mis, ils sont récompensés. Oui, ils ont forcé l'adversaire à jouer en sur-régime par moment. Et voilà la première approximation, ça se paye cash. Le ralenti avec cette énorme faute d'inattention, il faut bien le dire. Le ballon est perdu. Et dans cette partie du terrain, ben, ça fait très mal tout de suite.
Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Con el 10, Samu Saiz. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Gumbao. Sébastien Cristoforo. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Très bonne intervention à nouveau. La fin du match ici et la victoire des locaux dans cette affiche au sommet. Ouais, voilà, une belle victoire au bon moment et une sacrée performance offensive. Et puis gagner ce genre d'affiche, c'est toujours très bon pour le moral. On a vu un bon joueur aujourd'hui, hein, sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Assurément un des artisans de la victoire de son équipe avec ce but. De quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment.